Salut, c'est MegaDriver 16 sur le jeu Tour de France 2016, la suite de mon Pro Team avec la MegaDriver Cycling Team. Donc la MCT, le Pro Team que j'avais commencé avant la mise à jour des statistiques et des effectifs. Et donc nous sommes en pleine saison 2019, qualifiés pour le Tour de France avec parmi tout mon effectif, eh bien Vincenzo Nibali qui sera leader sur cette course après avoir tenté avec Warren Barguil, avec réussite d'ailleurs, le critérium international, demandé à Zakarin d'être le leader sur le Dauphiné, on n'a pas fait mieux qu'une sixième place. Et là, on se présente donc sur le Tour de France avec un gros objectif de le remporter pour débloquer les légendes, car mon objectif est pour 2020 de vous proposer un tour avec les légendes, et je vous en avais déjà parlé, une petite idée en tête, faire une équipe avec des coureurs qui pourraient limite encore courir, hein, de cette génération presque, puisque je voudrais Cadel Evans, Andy Schleck, Wiggins, etc. D'ailleurs ce sera peut-être tout, et puis j'aimerais bien les renforcer avec des coureurs un petit peu des légendes, mais encore dans le jeu, genre Gilbert, Bounen, voire Cancellara. On verra ce qu'il est possible de faire, mais pour ça, il va falloir beaucoup de budget. Donc déjà, remporter le Tour de France, premier objectif avec Vincenzo Nibali, et aussi donc essayer d'engranger un maximum d'argent sur ce tour pour pouvoir avoir les moyens de nos ambitions en termes de recrutement pour la saison à venir 2020. On se concentre donc sur ce parcours qui est un mélange, hein, de l'édition 2015 et du parcours 2016. Le début, les trois premières étapes, c'est bien sur le 2016 qu'on les a trouvées. Cambrai, par contre, en quatrième étape, c'est de 2015. Amiens, suivront Montauban, Fougères, Bannière de Luchon pour commencer les Pyrénées, Plumelec, hein, donc là contre la montre par équipe tirée du 2015. On continue les Pyrénées avec La Pierre-Saint-Martin, Cotteray, Plateau de Baye. Donc il y a vraiment grosse session Pyrénées avec 4 étapes, hein, dont 4 arrivées au sommet, 3 arrivées au sommet, et en particulier La Pierre-Saint-Martin et bien évidemment le Plateau de Baye. On enchaînera avec Rodez, Mende, tiré du parcours 2015, Valence, Gap, Finao et Mosson pour la 17e étape, Megève contre la montre qu'on connaît de l'édition 2016, Saint-Gervais, Mont-Blanc et l'Alpe d'Huez feront la partie, les deux dernières étapes de montagne avec les Alpes arrivées au sommet, et on terminera classiquement par les Champs-Élysées. Donc on va se retrouver tout de suite avec notre effectif sur la première étape de ce Tour de France saison 2019 avec la MCT, l'étape entre Mont-Saint-Michel et Utah Beach. On se donne rendez-vous sur les états de forme. Les états de forme pour cette première étape, en sachant, pour rappel, ceux qui n'avaient pas forcément suivi le début de cette épopée saison 2019 de Monsieur Pro Team, je n'ai pas de sprinter dans mon effectif, de sprinter pur. Donc, c'est Gerrans, Fellini et Stibar qui peuvent faire un peu office de sprinter, en tout cas de chasseur d'étape. Fellini, on l'a connu avec pas mal de succès, maillot vert par exemple sur le critérium international, et c'est Stibar qui a été maillot vert pour sa part au Dauphiné. Là, ça risque d'être un petit peu plus chaud, hein, de viser le maillot vert, mais bon, je fais une petite revue de l'effectif quand même. Et donc, ça m'étonnerait bien évidemment que l'échappée aille au bout, mais au cas où, on va glisser quelqu'un dedans, et ça pourrait être, Stibar, hein, ouais, je le sens bien, avec son 79 en plat. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour ce grand départ du Tour 2016, c'est un cadre grandiose qui accueille les coureurs, le Mont Saint-Michel. Au-delà du paysage, ce sont surtout les sprinteurs qui devraient nous offrir du spectacle aujourd'hui, avec une étape taillée sur mesure pour eux. Étape taillée sur mesure pour les sprinteurs, effectivement, on s'en rappelle dans la réalité. Sur le Tour de France 2016, sur laquelle nous était proposée cette étape, et bien la victoire du CAV, le grand retour gagnant de Marc Cavendish. Ici, on va essayer de déjouer ses pronostics. Et puis surtout, là, dans les notes avant mise à jour,
Il fait partie des sprinteurs or, bien sûr, hein, des très bons sprinteurs, mais ce n'est pas le meilleur sprinteur du jeu. Contrairement à après la mise à jour. Le meilleur sprinteur du jeu, je pense que c'est Andrei Greipel sur ses notations. Le break n'est pas encore fait, ça relance en tête du peloton. Allez, Stibar, il est parti. Dans une épopée solitaire, peut-être, je ne sais pas. 15 km de l'arrivée et le peloton ne devrait pas tarder à rattraper les échappés. On se dirige tout droit vers un sprint massif. Effectivement, comme on pouvait s'y attendre, l'échappée constituée de Lutsenko, Goujard, de Bridge, de Cort et donc mon coureur Stibar va avoir la plus grande peine du monde à rallier l'arrivée à 10 km maintenant, c'était pas 15 mais 10. Eh bien, le peloton qui revient fort, hein. On devrait peut-être même le voir là au fond, effectivement. 10 km, vous allez avoir du mal à aller au bout. Donc Stibar, ben, il aura fait des kilomètres pour la combativité, mais je ne pense pas qu'on puisse aller au bout à présent. Sauf si le peloton réduit grandement l'allure, mais c'est loin d'être sûr. Il reste encore du ravitaillement pour Stibar. Ça roule quand même pas mal encore, côté Lutsenko, côté compagnon d'échappée. Vous avez 30 secondes sur le peloton. Mais un peloton qui revient fort quand même. Là, ça y est, il est en dessous des 30 secondes. À ce niveau-là, je pense que le plus raisonnable, ce serait peut-être de prendre la main avec, avec Gerrans, par exemple. On a pris tout notre ravitaillement. Est-ce qu'on peut pas leur faire le coup là avec tout ce que je viens de prendre comme ravitaillement, de reprendre du temps? 5 km, ça va être chaud. Ils sont juste là, hein. Ah, ils sont juste là, mais ils ont reperdu du temps quand même. En tout cas, là, on vient de lui faire une attaque plus ou moins désespérée, un baroud d'honneur avec Stibar. Ah, il reste quasiment rien. Quasiment rien. Comme avance à 3 km. Je pense que là, on peut peut-être prendre la main avec Gerrans. On va voir ce qu'il est possible de faire avec mon puncher australien. Il faudrait essayer de revenir un petit peu à l'avant. Le peloton groupé. Le peloton est groupé à 1 km de la ligne. Enfin, bientôt 1 km. Et là, c'est l'emballage final qui se précise. Allez, allez, Gerrans, on est derrière Kittel. Kittel qui n'était pas au mieux, forcément. Hein. Ouais, c'est pas mal. Je pense pas qu'on ait obtenu le top 10, mais on en est peut-être pas très loin. Pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Et oui, Stibar qui était passé en tête d'une des deux difficultés. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. C'était Lutsenko, je crois, qui avait pris les points de l'autre difficulté. Enfin, le point, mais bon, c'est nous qui avons le maillot, tant mieux. C'est donc Greipel qui s'impose devant Arnaud Démarre, Cocard, Buani. Oh là, beau triplé français là, à ses places d'honneur. Viviani, très bon résultat. Viviani, Christophe Matthews, Peter Sagan, il est 8e. Cavendish, 9e. Hein, ils ont fait une contre-perf. Hein. Degenkolb, 10e. Nizzolo, Kittel et Gerrans, voilà qui finit 13e de ce sprint. Ça fait peut-être un peu d'argent quand même. Je sais pas, peut-être les 15 premiers qui marquent. Qui gagne un peu d'argent au classement de l'étape. Tiens, 19e Féline qui est là. Très bien, on va pouvoir regarder au niveau du général. C'est la même ordre d'arrivée. On a pris un maillot, c'est cool. Par contre, tout de suite, ça a commencé à faire mal, hein, cette étape. Et ça a roulé fort puisqu'on en voit certains de mes coureurs, en particulier Stibar. Ça, c'est normal, mais quand on voit Latour, Féline et même Nibali, hein, ils ont perdu Zakarin aussi de la récup. Hein. Bon. Eh bien, ok. Est-ce que ça nous donne de l'argent? On le voit tout de suite. 13e place, ça fait 48 000 euros. Bon, voilà, c'est toujours ça de prix. Classement de la montagne, on est premier sur cette étape, c'est bien. Ça fait un petit peu d'argent aussi, comme pour la combativité. C'est pas mal, ça engrange un petit peu, même si c'est pas grand-chose. On va pouvoir aller se diriger sur l'étape de Cherbourg, où là, il faudrait être vigilant dans le final, particulièrement avec Vincenzo Nibali.
Pour cette étape, on a la chance d'avoir un Warren Barguil en excellente forme. Bon, c'est très bien, c'est une étape qui peut lui correspondre dans le final, pour ses qualités de puncher, surtout avant la mise à jour. Nibali, il est normal. Bon, très bien, ne pas perdre de temps sur les favoris Pino et Quintana. Tiens, c'est un objectif particulier, pourquoi pas. Zakarin, finir dans les 15 premiers. Ensuite. Alors, on a Tendam, hein, qui est en excellente forme. Ok. Conserver le maillot à poids, ça va être chaud. On a Féline et on a Guérins. Hein. Ils sont pas mal. Alors, Guérins, avec ses qualités de puncher, j'ai envie de l'envoyer dans l'échappée. Il ne s'est pas encore imposé. Bonjour à tous. Voilà une étape qui devrait ravir les punchers. Avec une arrivée jugée au sommet de la glacerie, une côte de 2 km à 6,5% de pente moyenne, il y a fort à parier qu'ils feront tout pour ne pas se faire surprendre par les échappés. D'accord, merci du petit blabla. Maintenant, on va donc, comme je disais, Gerhans ne s'est pas encore imposé, il me semble, dans ce pro team. Donc ça risque de beaucoup bouger. Et j'aimerais bien, pour ce puncher australien expérimenté, lui faire potentiellement remporter une victoire avec la MCT. Bon, on verra ce qu'il est possible de faire. En tout cas, un bon état de forme, une étape vallonnée pour ses qualités de puncher. Il y a beaucoup d'éléments qui sont favorables. Prends la tête du général virtuel, mais ne nous enflammons pas, l'étape est encore longue. Effectivement, l'étape est encore longue et pour le moment, j'ai pas de soutien alors qu'on va bientôt passer la minute d'avance avec Gerhans. Bon, je sais pas trop. Dans le peloton. Ah si, ça bouge un peu là. Ezel et deux autres coureurs derrière Rast et Lutsenko. Tiens, Lutsenko encore comme la veille. Bon, apparemment, il a fini. Lutsenko, non, il est derrière, ouais. Vont probablement me rejoindre. Et voilà, tant un puncher au palmarès. Moi, je ne rechigne pas à avoir un peu de soutien. Ses victoires dans Liège-Bastogne-Liège ou Milan-San Remo, Simon Gerhans sera un coureur à surveiller sur les étapes vallonnées. Et effectivement, à surveiller et s'en est une tout de suite. D'avance sur le peloton. Ça sent le bon coup, ça. On va se retrouver plus loin pour voir si effectivement on peut envisager quelque chose de bien avec Gerhans sur cette étape. C'est un équipier sans ambition pour le classement général. Et on se retrouve à 32 km de l'arrivée. J'ai pris la main parce que le peloton est revenu très fort. Il est à quarantaine de secondes. Gerhans n'est plus que seul maintenant dans l'échappée. Je sais pas, ils devaient être crevés. Les autres, ils n'ont pas réussi à suivre. Bon, nous, on ne reste pas beaucoup non plus d'énergie bleue. Hein. Et on va attaquer vraiment là des petits vallons qui vont nous amener à Cherbourg. Qui vont être difficiles, mais bon. La situation de course, je l'ai trouvée assez particulière. Et je vais donc probablement filer le ravitaillement à Gerhans et voir ce qu'il peut faire seul. Parce que là, il est à fond. Attention, ça va être chaud. On arrive en limite de bleu. Même on n'a plus rien. On en reprend un peu. Là, il va y avoir de la descente. Plutôt qu'il va rebasculer à une minute d'écart. Ça, c'est pas mal, alors que là, on peut récupérer un petit peu d'énergie en aérodynamique, même si les pentes ne sont pas à 6%, un petit peu moins. Bon, c'est particulier. Je trouve que le peloton est revenu quand même très tôt dans l'étape, même si là, on est à 27 km de l'arrivée. En tout cas, voilà. Cette situation, c'est celle-là en ce moment. Je prends la fin de mon ravitaillement avec Gerhans. Et puis on va se retrouver plus loin, probablement avec Vincenzo Nibali. Et c'est le grand final de cette étape de Cherbourg. On va pas tarder à aborder l'avant-dernière difficulté de la journée. On a Gerhans qui s'épuise devant. On va le manger là, avec le peloton. Avec Vincenzo Nibali en particulier. Ne vous étonnez pas d'ailleurs de le retrouver avec son maillot de champion d'Italie. Je vous rappelle que ce pro team, je l'ai engagé à la sortie du jeu et donc je n'avais pas encore les résultats des championnats nationaux. Et on a d'ailleurs Valverde devant avec son maillot de champion d'Espagne. Tout ça, c'est donc. Et j'ai eu un petit souci d'enregistrement, mais je reprends. Il essaye de sortir, attention! Avec donc Nibali qui était en protection avec Zakarin,
Warren Barguil, normalement c'est Endam qui le protège derrière. Voilà le classement du dernier grimpeur. Oui, avec Nibali, forcément, on va essayer d'être au mieux. Et à 5 km de l'arrivée, de toute façon, on n'a pas utilisé, on n'a rien utilisé encore. On peut vraiment s'en donner à cœur joie. Il a décidé de durcir la course. Allez, là, on a pris... On a pris pas mal... Non, pas mal d'avance, puisqu'ils sont derrière, là, hein, les autres. Il est de nouveau en tête du classement général. Mais en tout cas, on attaque la bosse finale. Je pense qu'on n'aura même pas besoin du ravitaillement de bleu, hein, mais bon, on va l'utiliser comme il est là. Warren Barguil, il est bien. Et il ne faut pas se regarder. Il est bien, il est avec nous. Galopin, il est pas mal du tout, d'ailleurs. Alors qu'on arrive bientôt à 1 km de l'arrivée. Je ne sais pas s'il y aura quelques écarts. Non, apparemment, puisque, regardez, on est à 153 dans ce groupe des... dans ce peloton. Ah, Nibali qui figure bien. Tiens, Pulse qui fait de l'effort là pour lui, peut-être tout seul, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas si Froome est avec lui. Le dernier kilomètre, eh bien, ça va se jouer au sprint puisque personne n'a réussi à s'isoler. Eh oui, ça va se jouer au sprint entre Pulse et Bardet. Nous, on n'a plus de quoi sprinter. Gilbert qui fait une très très bonne remontée. Ah oui, c'est Bardet qui s'est imposé puisque j'ai vu un de ses coéquipiers lever les bras. Je pense qu'il n'y aura pas d'écart sur cette étape. Et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Et Warren Barguil qui s'est bien débrouillé tout seul. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Ah, en effet, il a dû faire mieux même qu'Alaphilippe puisqu'il est maillot blanc suite à cette étape de Cherbourg. Alors, on était entouré de gros états de forme, hein, tous verts, à part Nibali qui était en normal, ici présent. Donc Bardet, excellent état de forme, tout comme Pouls et Roland. Ils sont aux trois premières places. Bocquet, Mollema, Philippe Gilbert en bonne forme, 4 et 5 avec Nibali. On fait 6. Gauthier en excellente forme, tiens donc, Galopin. Excellente forme aussi, Valverde, bonne forme, Warren Barguil, excellente forme. Tout ça, ça complète le top 10. Et est-ce qu'on va trouver quelques écarts? Effectivement, quelques petits écarts intéressants. On a Rodriguez, Dan Martin et Alaphilippe qui figurent dans le même temps que le vainqueur. Et par contre, Froome qui s'est pris 18 secondes quand même. Donc Contador également, Quintana aussi à 18 secondes, Thibaut Pinot, là je parle que des favoris bien sûr, Richie Porte que l'on retrouve également dans ce groupe, Fabio Aru à 18 secondes. Bon, bref, il y a eu une petite cassure dans le final, hein. Les favoris sont bien dans ce groupe à 18 secondes pour ceux qui n'étaient pas avec Nibali dans le même temps que le vainqueur. On retrouve ensuite un groupe à 38 secondes, bon, un peu plus loin, mais là, on ne va pas retrouver de gros favoris, forcément. Le général, suite à cette deuxième étape, eh bien, Bardet qui prend le maillot jaune, bien sûr. Warren Barguil, sixième. Et Nibali, huitième, c'est marrant, parce que c'est pas tout à fait l'ordre d'arrivée, hein. Mais bon, tout ça, c'est à 10 secondes, et puis on retrouvera... à 28 secondes, donc les autres favorites, le Contador, Froome et Quintana aussi, je suppose. Je me rappelle plus si on l'a vu là. Oui, il était bien là. Donc, on a vu le maillot à poids, on l'a perdu. Maillot vert, c'est Greipel. Le blanc, voilà Warren Barguil dans le même temps qu'Alaphilippe. Et on est deuxième au niveau de l'équipe. Lutsenko qui est en tête de la combativité pour avoir participé aux deux échappées du jour. Voilà un petit peu pour cette deuxième étape. On a pris un maillot, on est content. J'espère que la récup... Ouais, c'est chaud la récup. Heureusement que c'est l'étape d'Angers qui va arriver maintenant et qui sera plus favorable peut-être à de la récup, en tout cas pour mes favoris de mon équipe. Et là, on engrange un petit peu d'argent quand même, des petits milliers d'euros par-ci par-là, plus la belle sixième place à 92 000 euros de Nibali. C'est pas mal. On va pouvoir regarder les états de forme pour l'étape d'Angers. Pour cette étape de Angers, les états de forme avec un Fellini qui est quand même bien. L'énergie pas au top, mais par contre un bon état de forme. Qu'est-ce qu'on a d'autre en réserve? Tout le monde a besoin de récupérer quand même, hein.
Alors, tiens, ça c'est intéressant, on a Juan Dennis. Juan Dennis qui est en excellente forme. Il n'est pas si mauvais que ça en accélération, on sprinte un peu plus. Mais l'échappée du jour, ça pourrait être intéressant pour lui. Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait me servir sur les pavés? Non, hein, a priori non. Mon meilleur un pavé, ça va bien être. Mais ça va être. Non, c'est Stibar, bien sûr. Il faut qu'il récupère lui pour nous aider pour demain. Alors là, je sens bien Laurent Dennis quand même, hein, qui va tenter une petite échappée du jour. Mesdames et messieurs, bonjour. Compte tenu du terrain plat proposé pour cette étape, nous devrions assister à un scénario des plus classiques. Une échappée matinale qui tentera de résister au peloton emmené par les équipes de sprinteurs. Eh bien, on est d'accord avec ça. Et c'est Juan Dennis qui s'y colle tout de suite. On essaye toujours de rattraper la voiture du directeur de course, mais ce n'est pas Bon possible, les bien gars, évidemment. le général ne devrait pas se jouer aujourd'hui, mais attention, ça risque d'être nerveux. C'est bien placé dans le final. C'est dommage de tout perdre dès la première semaine. Allez, Juan Dennis tout de suite en position Et rouleur. ça contre tout de suite à l'arrière. Elle est belle cette position, on en profite. Alors que ça contre apparemment à l'arrière, bon, ok. On va bientôt arriver à la minute d'avance sur le peloton, donc je vous propose de vous retrouver plus loin. Ça l'a bien parti, t'as passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Et il y a bientôt 10 km de l'arrivée, ça y est, on va y passer. Une très belle échappée qui était devant avec Valgren, Slater, Cummings et un petit peu plus loin devant, on a le Belge Philippe Gilbert. Tiens, Valgren, il n'en peut plus. Mais de toute façon, on a un peloton à 33 secondes à 9 km de l'arrivée. Autant dire que les chances de l'échappée sont très faibles. Et nous, on prend tout ce qu'on a en bleu, ça y est, avec Juan Dennis. Peloton à 30 secondes. Gilbert, il tient toujours le coup. Slater, il a eu du mal. Cummings, je l'emmène avec moi. 26 secondes pour le peloton, même si Gilbert est fort. Mais Gilbert n'est plus très fort là, surtout. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Peloton à 12, 10. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il doit être là, le peloton. Il est là ou il n'est pas là? Bon, de toute façon, il reste plus de 6 km, donc je ne vais pas tenir avec ce bleu. Ah, une chute, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre Fellini, mon meilleur sprinter, hein. Je pense que c'est ma meilleure option. Oui, il est un petit peu loin. Il est très loin, là. Enfin, très loin. Ça va. Je vois Vincenzo Nibali, tout ce beau monde. Tout le monde prend le ravitaillement, s'il vous plaît. Le ravitaillement de bleu, même. Si pour le moment, ça ne sert pas des masses. Oh non, Van Endert. Van Endert, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête totalement et pile sur moi. Alors, on n'a pas eu de chance, hein. Et on va essayer de remonter sur la gauche de la route parce que c'est pas bon de rester avec eux. Allez, t'as une dame qui refaisait un truc à sa chaussure, là. Pourquoi pas? Allez, Fellini. Toi qui fus maillot vert sur le critérium international. Traverser la rivière la Maine. Il restera alors un virage à gauche avant d'aborder la ligne droite finale sur un peu plus d'un kilomètre. Allez, on va tester la fameuse technique du gel rouge pendant qu'on sprint. Alors, Kittel, il va être bien lancé là. Hein. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis avec Degenkolb. Je suis avec Degenkolb, c'est très bien ça. Est-ce qu'on pourrait arriver à les déboîter? J'en suis pas sûr. Oh, allez, 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 accélère encore, accélère encore, accélère encore, mon gars. Ah, dommage. J'ai pas eu le temps de lancer le vélo, c'est un maillot rouge qui a gagné, j'ai l'impression. La victoire, effectivement, un maillot rouge Buani, devant Greipel, Kittel, Degenkolb, Cocard, et donc Fellini, sixième, grâce à cette technique du ravito rouge dans les derniers kilomètres. Devant Grant Van Avermaet, Modolo, et alors Sagan et Cavendish, ils sont loin. Sagan, voilà, 9e, Matthews, Demar, ouais, lui aussi, il est loin, Viviani, Christophe, Alaphilippe. Ah ben, Cavendish, qu'est-ce qui lui arrive? Il est peut-être tombé. Quintana, Froome, mais je l'ai peut-être pas... Non, je me suis peut-être trompé, il devait être devant, là. Ah ben non, bah, je sais pas où il est. Bon, tant pis, c'est pas bien grave. Il n'y a pas eu de changement hein, au niveau du général, etc. Quoique, avec les cassures. Qu'est-ce qui s'est passé là? Barguil, il récupérait une place. Nibali aussi. Ah oui, il a dû avoir
Une petite cassure. Ah ben non, c'est peut-être encore le classement hasardeux, parce que tout ce beau monde est à 10 secondes, hein, y a pas de souci. Donc, toujours le maillot blanc pour Warren Barguil, dans le même temps pourtant qu'Alaphilippe, on le sait. Et donc, on va se diriger vers une étape déterminante. Est-ce que la récup est au rendez-vous à peu près? En tout cas, Warren Barguil, Nibali, oui. Stibar, ouais, un petit peu, mais pas tant que ça. Allez, on engrange un peu d'argent et on va aller se retrouver pour la dernière étape de cette vidéo. Un rendez-vous très important sur ce Tour de France puisque l'étape des pavés. Les états de forme nous indiquent quoi sur cette étape? Ils nous indiquent un Stibar qui est en bonne forme, ça tombe bien, même s'il n'a pas une énergie à 100%. Warren Barguil, normal, avec une énergie à fond, ça c'est bien. Nibali, ne pas perdre de temps sur les favoris, Romain Bardet et Pinot, eh bien, on va essayer de le faire. Et surtout, il a un excellent état de forme. Regardons ensuite en pavé qui pourrait nous aider. Féline avec son 67. Et puis c'est tout. On a bien les meilleurs. Ils sont là devant. Stibar, Warren Barguil, Nibali. C'est avec ce trio. J'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. On va partir et je Mesdames, ne Messieurs, pense pas bonjour. que Dans je vais cette envoyer étape, quelqu'un en attention échapper. pour On la va essayer de musique, la faire ça France, dans un les second coureurs temps, devront durcir la course franchir pas moins éventuellement. de 7 secteurs pavés. Autant d'obstacles que les favoris du Tour et leurs équipiers doivent singulièrement redouter. Allez, Vincenzo Nibali, ici présent. On va se retrouver dans le final avec ces fameux secteurs pavés qui, je l'espère, vont sourire à mon équipe avec deux très bons coureurs hein, que sont Nibali et Warren Barguil sur les pavés. Et en route vers Cambrai, nous y voilà bientôt, le début du secteur pavé. On a une échappée devant hein, à 3,25. Et là, c'est l'équipe de Degenkolb, hein, la Giant, qui roule devant. Moi, j'ai demandé à Stibar de venir protéger Nibali. Warren Barguil, il va rester ici avec nous au maximum de ses possibilités. Et j'ai demandé à tous les autres de finir tranquille. Hein. Il n'y a pas de souci pour le reste de l'équipe. Les coureurs vont bientôt virer à droite et entamer un nouveau secteur de 1600 mètres en légère montée dans sa première partie. Le secteur suivant, lui, arrivera seulement 3 km après la fin de celui-ci. Allez, on est dans les routes bardées. De toute façon, les favoris, on sait qu'ils ont des bonnes notes hein, en pavé. Mais bon, nous, on fait partie des meilleures notes quand même en pavé parmi les favoris avec Vincenzo Nibali et Warren Barguil. Warren Barguil, je l'ai vu, je l'ai entreaperçu. Il est bien là. On va se faire un petit deuxième secteur pavé là. Déjà, ça a commencé à faire mal. Hein, on n'est plus que 20. Allez, Stibar qui donne tout ce qu'il Les deux a. têtes ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Ouais, c'est pas mal ça, hein. Aïe. Voilà un deuxième secteur pavé. Les autres, ils commencent déjà à perdre du temps. C'est bizarre. Bon, on est à 40 km de l'arrivée, hein. C'est pas la peine que je m'emballe non plus. Mais l'opération. Essayer de faire des écarts avec les favoris commence à prendre forme hein, avec Vincenzo Nibali. J'aimerais bien voir Warren Barguil. Non, c'était pas lui là. Un peu plus proche de moi, c'est Peter Sagan. Et oui, un des grands favoris de l'étape, bien évidemment. Bon, eh bien écoutez, là même Peter Sagan, il accélère fort. On va peut-être essayer de Ce joindre son secteur qui groupe. relie Verschin-Maugré à Saulzoire est long de 1200 mètres. Et puis je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin dans cette étape. Et à 27 km de l'arrivée, avant d'attaquer un des plus longs secteurs pavés, regardez-moi cette situation de course. Je suis avec Romain Bardet et Warren Barguil, toujours dans le groupe Peter Sagan et Degenkolb un peu plus loin. Ne comptez plus sur lui. Stibar, il vient de lâcher, hein, il avait tout donné pour nous. Donc Warren Barguil est encore là, avec Romain Bardet. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout Barguil? Pourquoi il reste avec Romain Bardet? C'est trop dangereux. Bon, en tout cas, là, nous, on essaye d'assurer avec Vincenzo. Ah, ça m'embête, hein, Warren Barguil, qu'est-ce qu'il nous fait là? Surtout qu'il est bien. Allez, fais un petit tempo à 90.
Il a même beaucoup plus de bleu que nous, hein, donc il peut se le permettre. Allez, reviens nous voir, on va laisser filer Peter Sagan et Degen Kolb, hein, qui sont un cran au-dessus encore. Nous, on est avec Geraint Thomas. Allez, Warren, il faudrait venir là. Hein. Alors que nous, on attaque un secteur très long. On va peut-être avoir besoin de notre ravito d'ailleurs là. Allez, Warren, il est toujours en mode 90. Bon, bah, allez, il va faire sa course. Hein. Nous, là, on va peut-être être obligé de prendre le ravito en plein dans la zone de ravitaillement. Ça me gêne un peu, mais bon. Ouais, on va pas y échapper. On va pas y échapper. On laisse défiler le rouge un petit peu, là. Allez. On prend le ravitaillement à 20 km de l'arrivée. On va s'en garder un petit peu, tiens, pour voir ce que ça fait. Warren Barguil, j'ai l'impression qu'il amène quelqu'un dans sa roue, Warren Barguil. Ah, il est loin. Il est très long, ce secteur. Nous sommes à un peu moins de 20 km de l'arrivée. Et encore un secteur pavé pour la tête de course. Eh oui, le maillot jaune, il a perdu pied, là, Warren. Non, Warren, Romain Bardet. Allez, il faut que tu reviennes. Hein. Il est où là? Il est où notre petit Warren Barguil? Il est un petit peu loin. On va juste regarder. Il est toujours en mode 90. On va lui dire quoi? 80 maintenant, hein, parce que ça fait peut-être un peu beaucoup. Et puis on va se retrouver plus loin. 13 km de l'arrivée, c'est le dernier secteur pavé. Warren Barguil qui m'a rattrapé par contre. Il n'est pas forcément au mieux hein, de son énergie bleue, vu qu'il a roulé pour essayer de revenir. Nous, il y a Cancellara qui nous est passé devant. Mais bon, on est pas mal. Hein. J'ai l'impression que l'opération de la Mega Driver Cycling Team va s'avérer payante, hein, que ce soit niveau maillot blanc ou niveau maillot jaune. Bon, Warren, je pense qu'il aura du mal à aller au bout comme ça. Parce que là, il ne doit vraiment plus rien avoir en bleu. Oh, ça y est. Ça y est, il est en défaillance. Bon, ok, nous, on a rejoint Cancellara et Thomas. Et puis, on continue notre route. Hein. Warren Barguil, tant pis. Je pense qu'il aura quand même, il fera quand même une bonne opération. Il a demandé à ses équipiers de rouler sur toi. C'est trop dangereux. Bah oui, bah, ils peuvent rouler sur moi. Je sais pas où il est, Froome, mais... Et pas au mieux. Hein. Allez, on prend du rouge pour stopper l'hémorragie là. Parce qu'on n'a plus de bleu, il va falloir prendre notre gel. Alors, il nous reste quand même encore 8 km hein, à faire. Allez, mon petit Vincenzo. Ça sent bon quand même, hein, ce qu'on est en train de faire. Alors, boum, 54 secondes devant Sagan. L'échappée commence à être dangereuse. Faut se mettre à rouler, les gars. Oui, bah, se mettre à rouler, on s'en fout, hein. Nous, on est là pour le classement général. Et on prend la fin de notre ravitaillement. Allez, pour les 5 derniers kilomètres, on va juste regarder vite fait. Il en est où, notre ami Warren Barguil? Ok, bah, là, je pense qu'il peut se faire un petit tempo à 80, hein, franchement. Ok. Il va relayer, ça se trouve, il va peut-être même revenir sur nous, quoi qu'il était en défaillance, hein, mais bon. Allez, Vincenzo, on va se faire un top 10 en plus, ça va faire de l'argent au niveau du classement de l'étape. Allez, un peu plus fort, là. Solitaire à laquelle nous assistons aujourd'hui. Barguil est à 3,41 et nous à 2,28. Mais il est en train de revenir, là, hein, Warren, quand même. Il nous faut qu'on rallie les 3 derniers kilomètres qui nous restent. Ça va être bon tout ça, ça va être très très bon je pense pour le général. Parce que même face à Bardet là... Il est en difficulté, pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Eh, Barguil qui revient, hein. Il revient fort, il revient très fort. La victoire de Boom devant Degen Kolb, devant Sagan.
Ok, ça c'est fait. Nous, on va prendre une 8e place, en toute logique. Warren Barguil, il est pas très loin derrière. Il va peut-être même sprinter, là. En tout cas, nous, on va le faire. Allez, allez, Vincenzo qui en termine à cette 8e place. Très bonne opération, devrait pouvoir Warren qui va arriver, là. Sûrement, là, dans ce groupe. Voilà, on l'a vu passer. Il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Et Warren Barguil qui a dû conforter son maillot blanc. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Je m'attendais limite à peut-être voir le maillot jaune, mais bon, c'est quelqu'un de devant a priori sur cette étape des pavés qu'il a eue. Alors, la victoire de Lars Boom, qui était dans l'échappée matinale, je crois, devant John Degenkolb et Peter Sagan à la 3e place, on retrouve le français. Sénéchal 4e devant Cancellara, Geraint Thomas, donc, de la Sky, avec qui on a pas mal roulé, Ed Valbuysen-Hagen et Vincenzo Nibali, donc, qui nous fait une belle 8e place avec son excellent état de forme à 2,20 donc, de Lars Boom. Galopin de 44 comme Sylvain Chavanel et Warren Barguil, voilà ce petit groupe de 3 qui arrive et qui nous fait plaisir parce que pas loin derrière nous. Et donc nous on était à 2,20, hein, si on regarde là les autres favoris, attention les dégâts hein, parce qu'ils ont l'air d'être loin. Hein. Stibar il est à 3,52. Ah ben avec le maillot jaune d'ailleurs, tiens, Bardet, il y a Bocco Mollema dans ce groupe. Ah ouais, Christopher Froome qui a bien assuré, qui est dans le groupe Romain Bardet, d'accord, à 3,52. Bon, bah, il limite la casse, hein, ça fait de 1 minute 30 de perdu, simplement, sur, par rapport à Nibali. Ensuite, on retrouvera le groupe avec, Contador, même, plus loin, à 5,15. On va aller jusqu'à Quintana, si on le trouve, Van Garderen, tiens, à 6,54, ça fait mal. Ça fait très mal. On retrouve Valverde, décevant, hein, à 6,54. Et alors toujours pas de Nairo Quintana. On a Spilak et Rodriguez là pour la Katusha, 6,54 aussi. Ah voilà, dans ce groupe là, dans ce peloton qu'on pourra apparaître, Quintana qui avait en plus la mauvaise chance d'être en mauvaise forme. Bon, ok, alors le général ça nous donne quoi? Eh bien Degenkolb devant Peter Sagan, Geraint Thomas, Boysen-Hagen, Nibali 5e qui grappille 2 places, donc à 1,37 et largement premier des favoris, hein, Warren Barguil. Le suit à 2,01, c'est bien, c'est les deux classements généraux que je vais essayer de faire. Galopin, boum, Bardet déjà qui perd un petit peu de temps, ouais, il a plus d'une minute de Nibali, c'est bien. Bocco Mollema aussi, on va retrouver Froome pas trop loin, et par contre tout ce qui est Contador, Quintana, ça va être encore plus loin, Valverde aussi. Bref, pour finir cette vidéo, on fait un petit détour par tous les classements distinctifs. Lutsenko qui possède le maillot à pois, Greipel le maillot vert, le maillot blanc, Warren Barguil qui a quand même déjà pas mal d'avance sur ses principaux concurrents que vont être Mentes à 10,43, ça fait mal déjà, et Adam Yates à 12, ouais d'accord, à 12,40, à 12, ça fait mal aussi. Mega Driver Cycling Team, première équipe, ça c'est bon. Et la combativité, c'est Lutsenko. Voilà pour ces 4 premières étapes de ce Tour de France de ma saison 2019. Je vous dis à plus tard pour la suite.